Imaginez un réseau de 2,5 milliards d'utilisateurs qui n'a jamais été monétisé. Imaginez un canal de communication dont les messages sont lus en 7 minutes et ouverts à 98%. C'est 5 fois mieux que le mail et c'est 3 fois mieux que le SMS. Ce canal, vous le connaissez, vous l'avez même dans votre poche, c'est WhatsApp. C'est une opportunité en or pour acquérir et fidéliser des clients. Alors pourquoi les marques ne l'utilisent pas? Ça paraît absurde quand on sait que la fidélisation est l'enjeu numéro un des marques en e-commerce. J'ai passé 3 ans en fonds de VC spécialisé en e-commerce. Toutes les marques ont le même problème. C'est seulement 0,5% des prospects qui deviennent des clients fidèles. Et faute de fidélisation, les marques se lancent dans une course à l'acquisition qui ne leur permet pas de devenir rentables. Eh bien, notre ambition chez Wax, c'est de briser les barrières entre les marques et les clients grâce à WhatsApp. Notre ambition, c'est de créer une vraie relation, une relation qui va dans les deux sens et qui maximise la valeur économique de chaque client et de chaque interaction. Une fois qu'on a dit ça, on peut encore se poser la question, pourquoi toutes les marques n'utilisent pas déjà WhatsApp et comment nous, Wax, on le permet? Et bien les marques n'y arrivent pas parce qu'elles ont des centaines de milliers de clients. Et utiliser WhatsApp à cette échelle, ça représente un vrai défi technologique et humain. Et c'est précisément le problème qu'on adresse avec Wax. Moi, j'ai passé 4 ans en tant que développeur chez Airbnb et Doctolib. Et depuis, je me suis passionné pour ce problème. Et je vous explique comment on le résout. D'abord, il faut envoyer le bon message à la bonne personne et au bon moment, de manière automatisée. On y arrive en s'intégrant au CRM et au site marchand du client. Ensuite, il faut traiter les réponses des clients. Grâce aux automatisations et à l'IA, on arrive, enfin, les clients arrivent à gérer des milliers de conversations simultanément. Enfin, il faut faire remonter la donnée conversationnelle pour enrichir les bases clients, affiner les segmentations et booster les performances marketing globales de la marque. Maintenant, je voudrais vous donner un exemple concret avec un de nos clients, Jimmy Ferly, qui est un opticien. Leur challenge, c'est de faire revenir les clients en boutique. Et notre solution, ça a été d'envoyer un message WhatsApp automatiquement à chaque client un an après leur dernier achat. Et ce message était une invitation pour les faire revenir en boutique, réaliser un test d'optique et repartir avec une paire de lunettes remboursées. Donc, vous pouvez voir les chiffres. Les taux d'ouverture sont exceptionnels. Ça, c'est le canal WhatsApp. Et les taux de réponse sont prodigieux. Et ça, c'est parce que les messages sont incarnés par l'opticien et personnalisés pour chaque client. Et ça, c'est la beauté de Wax. Et ce cas d'usage, on l'a mis sur leurs 96 boutiques et on a augmenté le taux de rendez-vous. On a fait x10 sur le taux de rendez-vous en boutique. Alors effectivement, les résultats sont remarquables. Du côté des marques, c'est 15% de ventes incrémentales et surtout une rétention multipliée par 1,5. Et côté consommateur final, c'est des expériences fun et engageantes dans WhatsApp qui renforcent leur sentiment d'appartenance à la marque et à sa communauté. On est très heureux d'être devant vous aujourd'hui parce qu'on a plein de bonnes nouvelles à vous partager. La première, c'est qu'en seulement 5 mois, on a signé 50 marques, que ces 50 marques ont échangé plus de 4 millions de WhatsApp avec leurs clients et généré plus de 2 millions d'euros de ventes dans WhatsApp. On a donc un marché, on a un produit qui plaît, il ne nous reste plus qu'à accélérer. C'est pourquoi on lève des fonds actuellement pour continuer à recruter la killer team qui va nous permettre d'aller chercher le marché immense de l'e-commerce en Europe. Objectif fin d'année 2024, 200 clients accompagnés. Et donc ça, c'est que le début, parce qu'avec Guillaume, on a compris que le commerce conversationnel, c'était une évidence. Ça résout le plus gros problème du e-commerce, à savoir son côté froid et le manque d'humanité. Regardez WeChat en Chine, regardez Line au Japon, regardez la révolution technologique de l'IA conversationnelle qui est en train de se passer. La seule vraie question, c'est quand et comment ces changements vont s'opérer dans nos géographies. Et la seule et unique réponse, c'est maintenant et avec Wax. Merci à tous. Merci 50. Merci.